Amen. Si j'ai porté, je vous ai dit, je cherchais un bagne, mais comme il n'y avait pas de bagne, il n'y avait que le manteau de ma femme, je vais dire quelque chose. Amen. Je me force, je fais l'effort de ne pas laisser l'émotion m'amener trop loin. Amen. J'ai dit à Kishasa, au mois de janvier 2020, j'avais un problème sérieux. Ma famille avait un problème sérieux, pourquoi vous asseoir? J'avais gêné, j'avais prié. Beaucoup de fois, j'avais gêné, j'avais prié. Et jusqu'au moment où beaucoup de personnes commençaient à dire où est le Dieu du Cameroun. Mais ce jour-là, là où j'étais logé, j'étais en dessous, assis en dessous d'un arbre. Dieu est bon. Dieu est bon. Il est très bon. Et j'avais entendu une voix qui me disait en ma langue maternelle, moi na wangalula wenu ou dimanjila. Et c'était le 8 janvier. Et pour prendre Dieu au mot, j'avais pris ma Bible. Et j'avais écrit ceci, Nombre 23, 19, Hébreux 6, 18. Qui dit que Dieu n'est pas un menteur. Avant d'aller tout droit au but, je parle de ma fille. Le dit que la sainteté de ma vie. Cet enfant a beaucoup souffert plus que les autres. Un jour, elle vient me dire, papa, nous sommes à quatre. Tous tes enfants sont joyeux, il n'y a que moi qui suis malheureux. Et c'était très simple. J'ai gêné, j'ai prié. Et bien ce qui est arrivé, Irène tombe malade. Plusieurs maladies graves. D'abord, méningite, qui tue 9 personnes sur 10. Dieu fait un miracle, Irène échappe. Irène tombe malade. J'allais à l'hôpital. J'achetais le repas dans le restaurant pour amener à manger à ma fille. Parce que je ne savais pas et je ne pouvais pas cuisiner pour elle. Irène quitte l'hôpital. On dit, oh non, les reins de Irène ne fonctionnent pas. Elle est tout près de la mort. Oh, les poumons ne fonctionnent pas. Elle va mourir. Le cœur ne fonctionne pas. J'étais désemparé. J'ai prié. Nous avons prié. Ses frères ont géré prié. J'ai des amis pasteurs partout. L'église a prié, ils ont prié. Et Irène se marie et les fausses couches se multiplient. Et je me posais la question, où est l'Église qui a dit il n'y aura pas de femme qui avorte une défense terrible. Moi je gêne, je prie pour notre femme et ces femmes-là mettent au monde. Et ma fille à moi fait des fausses couches. Et pour ceux qui me voyaient, je me promenais avec sa photo derrière mon téléphone. Et chaque fois que je tournais le dos de mon téléphone, je priais, je pleurais. Il y a des fois où j'ai prié allongé par terre, couché sur mon ventre, assis comme un bébé de 3 mois, parlant à Dieu. Mais Dieu a essuyé les larmes de ma fille. Amen. Irène a accouché d'elle.
qui lui-même est maman. Et on lui donne le bébé. J'ai toujours dit, Dieu fait des choses qui vont m'étonner. Et il aime dit, on lui donne le bébé. Et il dit, ce n'est pas vrai. Est-ce que c'est réel ou je rêve? Et aujourd'hui, j'avais dit à Dieu, pour m'humilier devant toi, si il rêve, à l'aide, je vais danser. Amen. C'est pourquoi j'ai pris cet habit-là. On va vous montrer la photo de l'enfant de Irène. Amen, amen. Amen. Les mots sont trop faibles et trop pauvres. Mais la photo n'est pas claire. Dieu a donné. C'est une faveur que Dieu donne à Irène. Amen. 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 Ce n'est pas facile d'être papa d'un enfant qui ne l'a pas, qui ne l'est pas au monde. Et surtout lorsqu'elle me dit, c'est moi qui souffre, où es-tu? L'enfant avait douté de moi, avait douté de mon Dieu. Mais aujourd'hui, elle sait que son père a répondu. Amen. 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 Le Dieu de son père a répondu. Amen. Je dis à quelqu'un, quelque part, les stocks des bébés au ciel n'est pas vide. Amen.
Les stocks des enfants n'est pas vide. La porte de la maternité n'est pas fermée. Attendons, attendez le temps de Dieu. Amen. Irène a attendu le temps de Dieu et lui a fait grâce. Que le nom de Dieu, le nom de Jésus-Christ sera loué. Amen, amen. Irène quitte l'hôpital aujourd'hui, elle rentre chez elle. Le problème est qu'elle n'est pas à Bruxelles. Ils ont acheté une maison avec son mari vers Lembeck. Lembeck. Amen. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un a autre chose à dire, un témoignage à dire. Est-ce que tu peux dire, répéter ce que tu disais hier? Parce qu'Irène était abattue. Dani, tu as un témoignage, tu peux dire quelque chose? Si vous voulez témoigner. Toi et moi, nous chanterons ici pour dire merci à Dieu. Effectivement, ce n'était pas facile. Hein? Ce n'était pas facile, mais j'étais là toujours pour l'encourager. Je dis, je connais le Dieu que je sers. Ce Dieu-là, quel que soit le temps, il finira par te donner un enfant. Et d'ailleurs, je lui donnais toujours le témoignage de la maman d'en haut. Maman pasteur Nao qui a mis au monde 18 ans après. Et c'est le pasteur Corneille qui avait prié pour la maman. Elle en a eu 2 bébés. Et je me disais, je dis, si cela dépendait du pasteur Corneille, nous pouvions prendre les 2 bébés, on les donne à Irène. Mais les enfants viennent de Dieu. Mais Dieu, le Dieu fidèle, qui fait chaque chose à son temps, il a essuyé les larmes d'Irène. Il a enlevé la honte et l'humiliation de l'Irène. C'est pourquoi je veux lui dire merci aujourd'hui. Et je vais chanter. Donc aujourd'hui, avant que l'Irène ne vienne, moi je vais d'abord dire merci à Dieu. Baba Nassema Asanti, Nassema Asanti, Nassema Asanti, son temps. Amen. Je vous bénis le Seigneur.
Je pense qu'on témoignera bien encore mieux quand Irène sera là. Ce jour-là, chacun va apporter son bagne, on va attacher, on va danser sérieusement, correctement et de manière agressive. Comme ça, les gens vont comprendre que les choses vont changer. Amen. Amen. Nous vous bénissons tous. Je vais faire d'ici. Moi aussi, je veux rendre gloire à Dieu pour ce qui arrive à ma grande sœur. Je pourrais dire que la vie n'est pas une course, parce que toute chose arrive en son temps. Et le temps d'Irène était arrivé. Pour ça, je rends gloire à Dieu. Amen. Nous sommes bien, nous allons dire. La prochaine fois. Ben oui, j'arrive. Viens, parle ici. Viens ici. Oui, maman, il pense que tu veux venir, tu viens. Amen. À cause de cet enfant-là, les nuées vont parler. Amen. Shalom. La grâce qu'il a accordée à ma soeur. Qu'il est transporté sur son dos et qui aime ses frères et qui faisait tout pour ses frères. Et ce n'était pas facile pour ses frères de le voir pleurer. Comme Dani l'a dit, il y a beaucoup de choses à dire. Toutes les maladies qui étaient dans le corps de Hiram, les médecins disent ces maladies sont parties où? Dieu a restauré le cœur, les poumons, les reins. Amen. Une maladie bizarre qui était dans les sang, qui bloquait tout, Dieu a fait un miracle. Amen. Dieu a fait des choses qui nous étonnent. Qui ici? Il y a Sony. Amen. Sa grande sœur est aussi dans la salle. Nathalie, tu veux dire quelque chose? Alléluia. Amen. Je sais, c'est très mal. Ça fait très mal. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées. On s'appelait, on pleurait. On dit, Dieu est là, il va agir un jour. Aujourd'hui, je bénis Dieu pour elle.
Je sais que les païens se encore. Amen. Moi, ça Amen. Dieu est grand, Dieu est fidèle. J'aimerais bien que nous acclamions encore le Seigneur pour ce bienfait. Amen. Nous disons merci à chacun de vous. Nous disons merci à l'Éternel pour ce qu'il fait. Et nous savons bien que, comme vient de dire Dali, le panier circule encore. Il y a encore des personnes qui sont sur. Dans le chemin, en train d'attendre une visitation quelconque, dans quelle que soit la nature de la visitation que nous attendons, le Seigneur nous dit, comme dit Habakkuk 2, le Seigneur, cette prophétie a son temps fixé, on a encore dit pendant la prédication. Le Seigneur a fixé un temps pour agir dans la vie de chacun de nous. Mais le vrai problème, c'est que quand l'ennemi sait que le Seigneur a fixé un temps, il te bouge les oreilles. Bien-aimé, j'aimerais exhorter quelqu'un à se dire, quand Dieu parle, il ne parle jamais en vain. Il envoie ses prophètes, il envoie ses prédicateurs, il envoie des frères et sœurs pour te dire, d'espérer en Dieu, de regarder, de t'avertir d'un danger qui est devant toi. Il est important que tu puisses avoir l'oreille spirituelle pour écouter. Et s'il te manque la sagesse, demande-la à Dieu. S'il te manque la foi, tu fais comme les disciples en disant « augmente ma foi ». Ce que je peux dire, c'est cela. S'il te manque la foi, dis « Seigneur, augmente ma foi » parce que je n'y arrive pas. Comme le père qui avait son enfant qui s'est jeté dans le feu, qui avait des difficultés, qui était lunatique. Et quand Jésus descendait de la montagne, on lui dit « Est-ce que tu crois que je peux faire ceci ?» Il dit « Viens au secours de mon incrédulité ». Parce que plusieurs fois, on a amené l'enfant pour qu'on prie pour. Plusieurs fois, j'ai espéré, mais je n'ai pas eu gain de cause. Viens au secours de mon incrédulité. Et aujourd'hui, Dieu a restauré. Oui, à plusieurs reprises, la vie d'Irène était en danger. À plusieurs reprises, le Seigneur a parlé à certaines personnes, a montré les dangers. Des personnes, des enfants de Dieu ont prié. Et aujourd'hui, c'était que ce jeudi, c'était le jour où l'accomplissement de tout cela. Les combats sont là. Les maladies qui étaient là n'étaient pas des maladies normales. Les combats étaient là. Mais il y a un temps. Et si nous avons juste l'oreille spirituelle, l'œil spirituel, nous pouvons identifier les combats qui étaient là et d'où venaient les combats. Et nous pouvons prier en conséquence. Ne nous égarons pas, demeurons fermes, bâtissons notre foi sur Jésus, invitons-le dans notre barque, dans notre foyer, dans notre couple, dans nos vies, dans l'église, dans tout ce que nous faisons. Et invitons toujours le Saint-Esprit parce que le Seigneur nous dit, sans moi vous ne pouvez rien. Amen. Amen. Amen.